Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Waouh. Tu es béninoise? Oui. Mais tu es très jolie. Merci. Les gars, comment vous trouvez sa beauté? Elle est très jolie. Merci. Tu es en couple, mais toi célibataire? Je suis célibataire. C'est pas vrai. Les gars, elle est célibataire. Ou mais tu blagues? J'ai dit la vérité. Je n'y crois pas. Est-ce que tu peux faire un petit tour pour voir si tu es vraiment célibataire? Juste un petit tour sur toi, doucement. Juste un petit tour. Les gars, elle a dit qu'elle est célibataire. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Je dis, tu es célibataire. Pourquoi toi, tu as décidé d'être célibataire? Parce que je suis blessé. Un homme t'a blessé ou bien des hommes t'ont blessé par le passé? Un homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne peux pas tout dire. Mais tu as été déçu et tu as pris la responsabilité de rester célibataire, c'est ça? Oui. Et actuellement, il y a des milliers de personnes qui te regardent à travers le monde et qui ont envie de tenter leur chance. Est-ce que tu le permets, Judith? Tu ne veux pas. Et tu veux rester célibataire jusqu'à quand? Finis ce que je fais d'abord. Tu fais quoi? Couture. Ça se passe bien là-bas? Oui. Ça me fait mal que tu dises que tu as envie de rester célibataire parce que tu as été déçu. Mais est-ce que ton abstinence ne va pas amener les gens assez loin de toi? Parce que si tu restes tranquille dans ton coin, beaucoup de gens vont te fuir. Je préfère rester comme ça. Ça veut dire que le gars qui est déjà ton ex t'a vraiment blessé. Le gars, si tu me regardes actuellement, ce que tu as fait à lui, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Alors, Judith, j'ai une question pour toi. Et tu vas me répondre avec sincérité. Est-ce que tu préfères manger la banane avec la peau ou sans la peau? Sans la peau. Pourquoi sans la peau? On ne mange pas avec la peau. Non, c'est sans la peau. Donc quand c'est sans la peau là, le goût est intéressant. Oui. Le goût est intéressant. Oui. Est-ce que t'es déjà arrivé de manger avec la peau? Au moins une fois, est-ce que t'es déjà arrivé de manger avec la peau? Non. Donc c'était toujours sans la peau. Oui. Et le goût c'est comment? Sans la peau? Sans la peau, c'est doux. C'est trop doux. D'accord.